Bonsoir et bienvenue dans Mimi numéro 45 de la deuxième saison, le numéro ultime de la deuxième saison. Et pour ce dernier numéro, allez, on sort le grand jeu, la Carmina Burana. Pam pam, pam, pam. Je, je sais pas d'ailleurs si c'est la Carmina Burana, ça c'est peut-être euh, du Wagner mais autre chose, j'en sais rien, Jérôme, tu vas nous le dire parce qu'enfin, c'est le retour de Jérôme pour la dernière. Salut Jérôme. Salut Antoine. Euh, je suis pas, pas très mélomène, moi je vais pas te dire c'est laquelle. Non, 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 c'est ça c'était le. Pam, 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 Je suis pas sûr que ce soit Carmina Bruana. Je vois plutôt. Euh, tu sais, le, le, le film de. C'est qui euh, Apocalypse Now. Ah oui, avec les hélicos, là. Et... Avec les hélicos, ils mettaient les grosses enceintes, là. Bon, alors les, 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 les amis, mais... ils vont nous trouver hein, pour ceux Ouais, voilà, vous allez me trouver ça. Parce que le carmina, ça doit être... On est obligé de chanter, parce que si on le met en vidéo, là, direct, on est démonétisé, donc ça passe pas, ça passe pas. Bon, vous avez compris, c'est la dernière. On est en vacances, là. Et toi, Jérôme, et eh bien, tu reviens de vacances. Bah oui. Et puis, hein. bah, comme tous ceux qui, qui partent tôt, et eh bien, ils rentrent tôt, et puis, reprise du boulot. Et voilà, hein ben oui mais bon j'ai choisi début juillet cette année, ça m'a changé. Donc, voilà. Mais par contre, un beau. Quelle vacances, un beau tour, un, un bel Horus Tour. Et en fait, on va faire un, un mimi un peu spécial ce soir, parce que comme c'est la dernière, voilà. On va faire ça détendu, on va pas forcément aller sur l'actu. On va ben voilà faire un, un petit tour du côté des, des vacances de, de Jérôme. Il a plein de choses à nous montrer. Euh, un petit tour du côté du courrier des lecteurs. Et puis voilà, on clôturera l'année tranquillement comme ça. Euh, on a aussi une pensée pour Elisabeth de Cahigny qui devait nous rejoindre ce soir. Et puis en ce moment, euh, elle n'est pas en forme. Donc euh, le, en ce moment, est, on est le, le, 20, le 20 juillet. Donc voilà, Elisabeth, euh, porte-toi bien, mieux, j'espère. Bon puis, rétablissement, lui, eh bien, on va. Oh, ouais, prends rétablissement, Elisabeth. Et on va attaquer donc sur ce, cet Horus Tour. Euh... Par quoi tu veux commencer, Jérôme Parce que bah oui à, je, je, je vous venir. en avais parlé hein, de, de mon petit périple mon petit Tour de France donc appelé ça le, le russe Tour 2023 parce que je pense que j'en ferai peut-être le, les années suivantes parce que je me suis vraiment éclaté euh, j'ai fait vraiment un petit tour de France je me suis loué un peu un, un van et puis voilà je suis allé voir plein de gens formidables plein de lieux insolites le festival de Blandas donc voilà alors j'ai commencé mon petit périple en, en Haute-Marne où j'ai rejoint Bruno, Bruno Pouchet, qui est déjà venu sur ma chaîne, et euh, en compagnie d'Evelyne, que j'ai rencontré là-bas. Et bah, Bruno nous a fait visiter des lieux vraiment très insolites de la Haute-Marne. Donc euh, j'ai déjà mis la vidéo sur ma chaîne. Ouais, bah tu sais quoi, on va on, on va y faire un petit tour parce que c'est vrai que ça vaut le détour. Puis comme ça, ça vous donnera envie de, de la regarder en entière cette vidéo. Allez, je partage. Ah ben ça fait longtemps qu'on n'était pas venu sur euh, Horus 2022. Ouais, parce que si vous recherchez la chaîne de Jérôme, il faut mettre Horus 2022 ou alors dans la description de toutes les vidéos, dans tous les cas, il y a un lien, vous pouvez y aller directement. Donc Horus TV, les mystères archéologiques de la Haute-Marne. C'est ça. Euh, alors, c'est celle-ci. Hein. Moi, je n'ai pas eu le temps de la, de, de la regarder en, en entière encore, mais je l'ai parcouru comme ça. Et, et effectivement, euh, euh, notre ami Bruno que j'ai rencontré, j'ai eu le plaisir de le rencontrer au, au festival euh, de la merveille et des mystères. Euh, il t'a fait visiter, j'ai l'impression, des trucs plutôt sympas. Ouais, ouais. On... Vraiment entre des, des sites un petit peu mégalithiques euh, datés officiellement du 19e siècle, mais c'est franchement quand tu vas visiter les sites, euh, tu rigoles un peu. Euh, voilà, on a été voir le, le dolmen de la Haute-Marne, euh, le menhir, pardon, de la Haute-Marne, euh, qui s'appelle le menhir de la Haute-Borne. Je vais y arriver. Euh, et puis il nous a fait voir aussi euh, un, un souterrain. Alors pareil, hein, officiellement, ça sera un aqueduc. Les, les vestiges d'un aqueduc. Voilà, on est rentré dedans. Il enfin, fallait pas avoir peur des araignées. Et euh, bon, voilà, c'est un souterrain que Bruno, euh, dans sa jeunesse, a parcouru sur trois kilomètres pour vous dire que c'est. Et là, à un moment donné, c'était complètement obstrué euh, par des blaireaux. qui hein, quand on investit les lieux et euh, qu'on fait vraiment un, un gros bousson à un moment dans le tunnel donc on n'a pas pu aller plus des, loin des blaireaux des, des bêtes à poils ou ouais ouais les la bête hein les <rire> voilà <rire> pas ceux recherchés encore par la... Enfin, pas, par la police pour les, les... Les massacres de. Ah oui, belle, ara belle araignée. Ah oui, oui non il y avait des beaux spécimens dans la galerie là. Euh, je dis ah ouais, mais elle est, elle est terrifiante ça. Ah, mais il n'y avait marche. que ça. Au plafond, il n'y avait que ça. C'était des grosses noires comme ça partout au plafond. Finalement, j'étais content que tu le tunnel soit bouché parce que. Ah ouais, là tu te fais piquer, tu meurs quand c'est des gros, des, des gros trucs comme ah bah, ça. Écoute, euh, on a truc. pris des risques. Hein. J'ai pris des je risques pour vous. <rire> <rire> Ouais, voilà. J'en en entends plus d'une en train de tourner de l'œil. Euh... <laughs> Mais oh, voilà. J'ai horreur des araignées. Petite visite très sympathique de deux lieux de très insolites. Voilà, c'était. Euh... Donc là, là, je vous invite à aller voir cette vidéo sur Horus, Il y a une seconde partie qui va arriver aussi bientôt. C'était. Euh... On était dans ah, le. Tout ça, des nids. Ah oui, ah, c'est oui. des nids partout. Il y en avait partout. <laughs> <laughs> c'était horrible. Au plafond, je te jure, il y a des. Ouais, impressionnant. Et tu vois, au fond, là, bah, à un moment donné, tu as une grosse butte de terre, et c'est les blaireaux qui ont fait ça, euh, qui ont bouché et ils se sont laissé un petit passage pour eux en haut. Voilà, donc ils ont condamné le ils ont condamné le, le passage. Voilà. D'accord. Euh... Allez, on passe. <rire> <rire> et puis on a été voir aussi. Euh... Ah oui, puis il oui, y a un truc assez rigolo là. Ouais, Attends, ouais, si je remets un petit peu de, de, du début, euh... l'escargot de, de Coon. Les escargots escargot. de coron. Alors, c'est vraiment, vraiment une forme pyramidale. Alors, il euh, y a un premier, euh, bon, j'appelle ça une pyramide, hein, mais en cercle avec euh, une forme d'escargot. Donc, tu montes dessus et tu fais le tour dans les sens anti-horaires pour arriver jusqu'en haut. Donc, j'ai filmé ma petite montée. Et puis, il on a, on, on a, euh, y en a un petit peu plus bas sur le même site. Cette fois-ci, lui, il est euh, vraiment rectangulaire. Quoi. Mais de loin, ça fait vraiment euh, pyramide à degrés. Euh, voilà. Alors, officiellement, ce seraient des jardins à l'anglaise des oh, voilà. Les jardins à l'anglaise? Oui, j'ai pas compris non plus. <laughs> Daté du... De... du, 19e <laughs> siècle. Ah, oh, c'est tout, tout est du 19e siècle. Ah, ils s'embêtent pas avec les dates. Ah, oh, le 19e siècle. Bon, voilà. Pour moi, ça a été restauré au 19e siècle et ça a pu peut-être servir de, voilà, pour planter des, je sais pas quoi dessus, mais bon. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune plantation et voilà, c'est vraiment euh... des structures très étranges, perdues en pleine forêt, voilà, toujours en haute marne. Donc voilà, euh, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et c'est la première d'une longue série parce que mmh. j'ai j'ai fait que ça hein, pendant pendant deux semaines. Tous les endroits où je suis allé, j'ai j'ai filmé. Donc après ce passage en Haute-Marne, j'ai été chez euh, à côté de Lyon chez Mathieu Laveau et Cathy Mori qui m'ont gentiment accueilli. Et il y avait CJ avec nous. Donc on a passé deux jours ensemble extra aussi. Et du coup, bah CJ pour ceux qui qui, qui n'auraient pas vu euh, Mimi, euh, ça aurait être le peut-être, je crois, ou le 39. Je ne saurais euh, te dire, euh, Antoine. On, voilà, on avait invité CJ pour nous parler justement des, de, de la France sacrée, des, des rapports. Euh, il, fait, il trouve un rapport avec le chiffre 666 mm. euh, qui, qui est vraiment très, très surprenant à, à, à plusieurs niveaux. Euh. Et D'ailleurs, à ce sujet-là, euh, je vous rassure de suite. Donc, on est en vacances ce soir. C'est le dernier Mimi de la deuxième saison. Le prochain de la troisième saison, eh bien, ça sera début septembre. Et entre eh bien là et puis début septembre, euh, je vous mettrai euh, tous les samedis soirs, logiquement, euh, une des conférences qu'on qu a eues euh, bien, bien justement à, à Livaro. Et entre autres, je pense que la première, ça sera celle avec euh, CJ. Donc, euh, sûrement la semaine prochaine ou, euh, ou dans deux semaines. Ça va dépendre si j'ai le temps de finir ce montage. Voilà. Euh, euh, donc, on reprend ton, ton petit périple. Tu étais chez Mathieu, Lavo, Cathy et euh, CJ. Et CJ. Voilà. Là-bas. Voilà. Et, et du coup, euh, bah, je n'ai pas pu m'empêcher. On a fait une petite vidéo tous les trois ensemble. Un petit entretien tous les trois euh, en extérieur. C'était sympa. Voilà. Un petit entretien de quasiment une heure et demie. Et... Cette vidéo sera mise en ligne prochainement. Voilà, le temps de faire les montages, tout ça, ça prend du temps. Euh, il est long ton escargot là. Ah, il est long, ouais. ouais, ouais. Alors, on... Euh... on papote, on papote. mais... Ouais, ouais. Alors ça, c'est celui rectangulaire. Euh, je l'ai filmé en entier parce que bon, il n'y que... a que trois niveaux à monter, mais déjà c'est long. Alors celui euh, le circulaire, là, j'ai mis en accéléré <laughs> parce que après, ça, tu mets, tu mets, oh, je sais pas, euh, cinq, cinq bonnes minutes à monter jusqu'au. On croirait pas comme ça, mais le parcours est long d'accord bon donc voilà c'est à voir sur Horus TV si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Jérôme en dehors de, de ces excursions de, de vacances c'est la première d'ailleurs que tu fais mmh. euh, euh, sur ce sujet après vous pourrez retrouver tout un tas de, de conférenciers dont euh, Bruno Pouchet et puis notre ami Eric Le Saint et plein d'autres voilà et puis après ce, ce petit arrêt chez Mathieu, bah, je suis allé à Blandas, euh, au fameux festival Mycelium, que nous avions présenté avec euh, avec Marlène dans le Mimi numéro, je sais plus combien non plus. <laughs> On est perdu dans tout un numéro de Mimi en Antoine. Fait. Et euh, bah, je vous avais promis que je, je ferais un petit reportage pour vous euh, de ce festival. Bah C'est chose faite, Voilà j'ai fait une petite vidéo. Alors franchement, c'était excellentissime. On n'était pas nombreux. Mais au final, c'est voilà, on était en famille, je dirais. On a pu tous tous se rencontrer, prendre connaissance de chacun et puis de, de discuter. Ça s'est fait sur trois jours, c'était vraiment extra. Et le lieu s'y prêtait vraiment. Euh, voilà, ça s'est fait euh, au camping de Blandas, hein, sur le, le fameux site où il y avait eu euh, les, les rencontres euh, de l'étrange rendez-vous, c'est ça, organisé par Demian euh, il y avait deux ans. Et euh, vraiment le site euh, génial. Et il s'était vraiment bien démené, hein, les, les organisateurs, les bénévoles pour euh, pour mettre en place plein de structures sur ce terrain. Donc euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas pu y aller, tant pis pour vous, mais je vous ai quand même ramené une petite vidéo. Si tu tu peux nous la partager, Antoine. Et puis je vais vous la commenter Allez. en même temps. Ah le fun van. Voilà ma mystery machine, je l'appelais comme ça. <laughs> Donc voilà, là on était sur sur le camping et puis euh, bah, à côté du, du site euh, du festival, il y avait ce, ce petit coin repas. Euh, qui était tenu par le stand de Patayette la, la, la femme de, de Nantes, adorable, qui fait une cuisine excellente euh, végétarienne. Et puis toi, ils avaient installé un, un conteneur et euh, sur ce conteneur, bah, pendant tout le week-end, ils ont euh, réalisé euh, une immense fresque. Là, on voit euh, Marlène voilà, une super belle fresque. Alors ça fait, voilà, je ne sais pas si ça on verra un quoi. petit peu plus en détail. Voilà, ouais, c'est une, une baleine et euh, à côté, il y a Fabien qui est en train de dessiner. Là, ça fait comme une un vortex végétal duquel sort un, un aigle et un, un jaguar, ainsi qu'un un cobra. Voilà, magnifique. Ouais, ils s'embêtent bien sur les, les petites écailles. Oui, ouais, les petites écailles et tout. Et... Ouais. Enfin, vraiment très chouette leur fresque, hein. superbe. Voilà, donc ça faisait partie euh, des activités euh, que nous pouvions euh, voir lors de ce festival. Voilà. Donc de temps en temps ils y allaient et hop et puis ben, surtout les, sur les trois jours ils ont terminé ce, cette fresque. Alors ça c'est l'entrée du festival. Alors euh, chapeau bas à Michel qui a créé cette entrée avec des branches tout assemblées, tout tressées, euh, magnifique. Alors bon j'ai filmé c'était le lundi, hein, le festival était fini donc il n'y a plus personne sur les lieux. Mais au moins, voilà. <laughs> donc avec oui, et puis le... moi j'ai mis la, la vidéo en accéléré parce que voilà. sinon elle était, elle était un euh, peu longue. Un petit peu longue donc avec le parcours. Euh... Je dirais euh, énergétique et initiatique euh, qu'on pouvait faire sur ce sur ce lieu. Des sacrés donc, champignons quand même le champ, sur le ouais, site. Hein. Un gros champignon de Marlène. Le Là sympa. derrière, on voit la felouque, une felouque euh, égyptienne, donc hein, une vraie felouque hein, qui qui vient d'Égypte. Et voilà, avec plusieurs euh, plusieurs sites, des dômes, euh, expositions, voilà, et, et des stands. Euh, je vais vous expliquer qu'on repassera devant tout à l'heure. Donc à cette feu euh, il y a eu un comment Une projection, euh, comment on appelle ça En du mapping, voilà, tu vois. Le... J'ai oublié son prénom, j'espère qu'il m'en excusera. Il avait installé des espèces de voiles au pied de cette, cette feu Et le soir, à projeté un mapping. Je t'ai envoyé la vidéo, Antoine, comme ça tu ouais. pourras Peut-être nous la mettre après. On voit un petit peu ce que ça rend, comment ça rend, ça rendait de, de nuit. Voilà, donc là, euh, une tente d'exposition de Fabien, très gentil, que j'ai rencontré là-bas. Là, là c'était euh, une, une expérience à faire que j'ai pas fait, j'ai pas eu le temps. Là, un, un dôme, alors euh, ça restera secret parce que Marlène, euh, voilà, euh, et je la comprends. Euh, dans ce dôme, il y a que les, pré les personnes présentes qui pouvaient, euh, qui pouvaient euh, faire cette expérience magique. Voilà, je n'en dirai pas plus. D'accord. Ah, attends, on va s'arrêter là. Deux secondes. Voilà, alors ça c'est ce que j'ai appelé le... la pyramide de Foucault. <laughs> au départ, je pensais que c'était comme un gros pendule de Foucault sur une structure pyramidale. Mmh. Et, euh... Et en fait, non, puisque le... le lundi au petit matin, avant de partir, j'ai fait l'expérience. D'ailleurs, je t'ai envoyé la vidéo. Antoine, on, on aura peut-être de... le temps de la partager. Voilà, c'est pour... pour créer un dessin au sol. Voilà. Mmh. Là, on, va, on va aller... Euh... Là, c'était le tunnel où on a donné euh, les conférences de Jean-Baptiste, de Nantes, euh, de moi, de Michel. Il y avait aussi euh, Pauline et Christophe qui ont donné des, des chouettes conférences aussi. Voilà, là, c'est leur stand. Elles ont été filmées, hein, les conférences -ce que Alors, tu les pas celles de. Les seules qui ont été filmées, c'est celles de Jean-Baptiste, de Nantes et la mienne. Voilà. D'accord. Les autres conférences n'ont pas pu être filmées. Et je suis arrivé trop tard le, le vendredi. OK. Allez. On va, on va regarder deux choses. On va commencer par justement ta, ta pyramide de Foucault. Euh, le principe est assez, assez sympa, je connais ouais, ça. Ouais, je n'avais pas, que... pas, pas percuté, c'est Michel qui, qui m'a expliqué tout ça le lundi. Et voilà. J'ai fait l'expérience. Alors je n'ai pas pu emmener mon, mon beau dessin, mais ils vont me l'envoyer quand il sera. Il aura séché. <laughs> Quand il aura séché. Alors, vas-y, explique-nous donc le concept. Le, le concept, le, le c'est voilà, ce, euh, ce que tient dans la main euh, Michel. C'est un gros tube sur lequel il a soudé euh, une vanne avec un, un petit bouchon sur lequel on peut régler euh, le débit. Et dans ce, bah, dans ce cylindre, voilà, il, Marlène et, et Fabien m'avaient préparé euh, mes potions alchimiques, plusieurs couleurs. Alors, on pensait, comme c'était la première fois qu'on testait, parce qu'il n'avait pas été testé du week-end, on pensait qu'au niveau du dessin, on allait voir euh, toutes les couleurs euh, successivement. Comment euh, euh, créer ce. Oui, parce que tu en, en entasses plusieurs dans, dans le. C'est ça, on a mis plusieurs couches euh, en versant tout doucement. Mm. C'est ça. Mais ça n'a pas fonctionné, ça n'a fait qu'un mélange de deux couleurs. Bon, voilà, ça c'était pour le principal chimique. <laughs> Donc voilà, et euh, on a étalé euh, au centre de, de la pyramide, au sol, un, un grand papier. Donc voilà, je choisis mes couleurs dans le sens que je voulais les mettre, mais je vous dis au final, ça n'a pas fait euh, l'effet escompté. Mais c'était sympathique quand même. Allez, on va... Ouais, accélère peut-être la vidéo. Voilà. Ah, ouais. Et donc ici, voilà, je règle le débit euh, de mon jet de couleurs. Et ensuite, eh ben, on, lance, on lance la machine. Hop. Tu, voilà. tu donnes ah. qu'une seule impulsion. Tu donnes qu'une seule impulsion. Alors au départ, ça fait... Euh... Ça fait, bon, je dirais, un dessin pas un petit de peu ligne. anarchique, mmh. ouais, pas forcément de ligne. Et après, bah, le pendule se stabilise et là il va commencer à osciller. Alors, tu vois, le, la première couleur qu'on voit, c'était couleur un peu peau. Voilà. Mmh. Et puis, bah, là, à un moment donné, il va commencer à, à se stabiliser et à partir, à vraiment osciller et là, nous faire un, un beau dessin. Alors, tu peux peut-être te mettre en accéléré, Antoine. Donc, voilà, au fur et à mesure, ça, ça commence à créer des, des lignes. Des belles lignes et créer un, un dessin. Euh, est-ce que, euh, est que ça suit, est-ce que ça suit une espèce de, de champ électromagnétique Va euh... savoir Antoine. <rire> <rire> et ouais, parce que je l'ai vraiment lancé en diagonale, hein, donc je pensais, euh, voilà, je. Et bon, et ça oui, se... euh, cl clairement, on pourrait se dire, tu le lances en diagonale, il va finir par se stabiliser en diagonale. Mmh. Là, on voit, il a, il a changé de diagonale déjà. Ouais, là, il part vraiment dans un autre sens. Alors, euh, voilà. est-ce que. Est-ce que c'est avec le, la peinture qui se balance à l'intérieur de ce cylindre et qui, qui donne à un moment donné un, avec le poids du liquide un mouvement circulaire ou est-ce que il y a comme tu dis un effet électromagnétique avec l'onde de forme de la pyramide et etc je sais pas je pourrais pas te dire je veux pas m'avancer mais voilà ça a fait un beau dessin sur la fin mm. C'était oui, sympathique. Ce que... mmh. Mais ça a été la, le seul dessin qui a, qui a été fait, c'est ça? Alors, ils en ont fait d'autres dans la journée après. Voilà. Est-ce que c'est est... le même dessin? Eh bien, non, justement. Mmh. Il y en a, ça part euh, beaucoup plus par. Voilà, ils, ils font vraiment partir euh, d'un point de vue circulaire. Et après, là, ils commencent par contre à se stabiliser euh, dans la diagonale. Enfin, voilà, ça, ça fait un dessin différent. Mmh. Et donc, euh, tu disais que tu avais mis du bleu, c'est ça, du vert bah, J'ai mis plein de couleurs, hein, du vert, du bleu, du jaune, du, du orange, du machin. Et en fait, tu vois, ça, finalement, ça fait deux couleurs euh, au final. Une couleur mm -hmm. peau et puis une couleur un peu plus rouge. Euh. Voilà. Ouais. On essaye de filmer ce qu'il y a à l'intérieur, mais. Non, on n'y arrive okay. pas. <laughs> voilà. Pour les amis, est-ce que vous connaissiez le, 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 ce principe-là de... Alors, moi, j'avais vu ça, euh, des personnes qui. Voilà, qui prennent un pot de peinture, qui font un petit trou dedans, et puis qui le laissent se balancer comme ça au-dessus d'une hein. ouais, ouais. toile. Hein, et ça crée des motifs un peu dans ce genre-là. Voilà. Et moi, j'ai cru lire un jour quelque part euh, que c'était justement influencé euh, par rapport au champ magnétique, mm -hmm. et que ça suivait, euh, ça suivait les, les lignes. Euh. De manière, quand, en physique, euh, quand tu représentes des champs magnétiques, souvent, ils sont représentés sous cette forme. Hein, c'est hein, vrai. Oui, si c'est vrai. Mm -hmm. ouais, mais euh, expérience très intéressante. Et si juste, tu peux nous mettre euh, ce fameux Allez. mapping de, de, de la felouque, La felouque de l'amour. Parce que ça rendait vraiment, euh, vraiment bien. Des, des, alors, on ne voit peut-être pas bien, hein, sûr, mais c'est des divinités égyptiennes hein, qui défilent à travers les, les fenêtres de la Felouk. Mmh, mmh. Et puis, au niveau de, des voiles qu'il avait apposés contre le, la coque, là-bas, ça faisait vraiment... Euh... Ah oui, on a l'impression de... qu'elle navigue. Ouais, hein, qu'elle navigue, en... voilà, complètement. Ouais. Ouais, non vraiment, euh... ça rendait vraiment super bien de nuit, euh, excellent. La petite scarabée. Mmh. Non non, euh... belle expérience aussi ça, avoir de nuit là-bas euh, sur euh, sur ce lieu magique, c'était euh, voilà la cerise sur le gâteau comme on dit. Mmh. Est-ce que bon, en termes de vidéo, c'est tout ce que ce que tu m'as envoyé, mais est-ce que il y avait d'autres choses intéressantes dans, dans ton périple. Euh... Je sais que tu as été faire un petit tour du côté de Rennes-le-Château. Oui, c'est ça. Bah, juste après Blandas, hein, je suis parti à Rennes-le-Château, accompagné de Fabienne. Et euh, bah, j'ai fait une vidéo de, voilà, une petite visée, visite guidée de, de l'église, du parc et devant l'église, et puis aussi le, le musée Rennes-le-Château. Euh, voilà, la tour Magdala, l'orangerie, euh, le belvédère. Euh, voilà, j'ai filmé tout, toute ma petite visite. Euh, même la, la Villa Béthanie, euh, excellent, j'ai adoré. D'ailleurs, il m'est okay. arrivé quelque chose d'incroyable là-bas. Je vous réserverai la petite surprise, je vous en reparlerai euh, à la rentrée, euh, Antoine. À la rentrée, on a dit. Dans ouais. le premier mini de, de la troisième saison. voilà. Je vous parlerai ouais. de cette petite synchronicité que j'ai eue là-bas. Quelque chose d'incroyable. voilà. Alors, on, on, avant d'aller plus loin sur, sur ton périple, sur le Horus Tour 2023, euh... Je vais faire un, juste une petite digression sur euh, Rennes le château, Rennes les bains. Tu aurais pu y croiser euh, Frédéric Frédéric de Perpignan, qui nous a envoyé cette photo, parce qu'il y, euh, ben, y était dimanche 9 juillet. Ah ben j'y étais le lundi, que, moi. Voilà. Était le 10, ça, ouais. On aurait pu se croiser, en effet. Voilà ce qu'il nous envoie. Si je dis pas de bêtises, c'est le mont Bugarache. Exactement. Mm -hmm. Qui n'est voilà, pas très donc, loin de, de Rennes-le-Château, en effet. Qui n'est pas très loin, voilà. Donc, Frédéric euh, m'écrivait qu'il qu avait été à, à Rennes-les-Bains, euh, Rennes Rennes-le-Château, le, le 9, et puis il a été faire un petit tour du côté du, du mont euh, Bugarache. Euh, mont qu'on a vu en photo, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, J'étais avec Damien quand on, on a présenté une, une photo de photo que nous a envoyé euh, à un des amis, où on, on, on voyait des, des formes assez, assez bizarres, et d'ailleurs, euh, David Lachance, la chance, on avait fait une vidéo euh, là-dessus qui était assez, assez incroyable. Et, euh, et donc, euh, euh, il a pris cette photo-ci de, de donc du Mont Bugarach, euh, Mais c'est vrai que déjà, on a l'impression qu'on voit. Il y, a, il y a plein de pareils assez intéressantes. Ah bah moi, je vois une, un beau visage de femme là, là où t'as ta souris là. Voilà. D'accord. Ici. Juste. Ah oui. Exact. Voilà, avec les cheveux. Voilà. Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche. Ah ouais, mais clairement. Voilà. <laughs> Bon, on arrête les paris de lit en fait. ah, C'est faux. Et là, et, et regarde, et là, moi, je vois un, un âne ou une chèvre, je sais pas. Ah oui, ah oui. Regarde l'oreille, le, le petit museau, il lève la tête, le cou, le, le corps, et là, les, les, les deux jambes. Donc, euh, bon, voilà, plein, plein, de petites paris de lit sympathiques. Alors, on les arrête, on les arrête. Euh, non, parce que justement, tu verras, euh, d'un côté. Euh, il y a deux clans qui se forment hein, parmi les amis mimi. Il hein. y a les A, il y a les mimi. Hein, C'est clair. Il <laughs> y a ceux qui qui, qui adorent ça, les euh, des paris d'Oli, Puis vous continuez du coup à m'envoyer plein de photos euh, là-dessus. Et puis il y en a il y en a d'autres. Voilà, on, on en voit une, on en envoie deux. Sachant que tout l'objectif, hein, je le rappelle encore une fois derrière tout ça, ce n'est pas que de voir des paris -Doli, Donc c'est-à-dire des ce que votre esprit pourrait euh, formés en termes d'images et, et d'associations d'images. Mais parfois, c'est de, de nous montrer des, justement des, 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 des choses qui sont vraiment insolites dans les, dans les photos, des, ce que j'appelle des, soit des anomalies photographiques, euh, soit des, voilà, des des éléments de photographie qui sont inexplicables. Et là, vous, bien, justement, Frédéric, euh, il a pris deux photos de, 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 du mont Bugarach mais à un intervalle, il était, il me disait accoudé sur sa voiture et puis avec son, son téléphone numérique, il a pris deux photos, celle-ci et celle-ci juste après, où il ne s'aperçoit de rien quand il prend la photo, mais c'est juste quand il, on va dire qu'il la développe, en tout cas qu'il la regarde sur, chez lui, une, une fois qu'il regarde ses, ses photographies, il s'aperçoit de, voilà. De, de, de cette anomalie-là. Alors c'est pareil, hein, on a toujours tendance à dire ouais mais ça c'est ça, ça c'est une mouche quoi. On voit les ailes. <laughs> on, 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 voit, on voit les ailes. Non mais c'est vrai qu'on a on a l'impression ouais, ouais. que. Bon alors ce qu'il avait l'air de dire c'est que euh, pour lui il y avait pas il y avait pas d'insecte, euh, tout cas il n'était pas envahi de mouches en, en, autour de lui, pas d'insecte dans son champ de vision, mais euh, est-ce que vraiment... Voilà. C'est toujours la première impression. Euh, moi, effectivement, je suis pareil. Je me dis, tiens, on dirait un insecte. Est-ce que c'est un insecte avec euh, voilà, une aile ou est-ce que c'est est autre chose Et moi, ce qui, ce qui m'interpelle, tu vois, c'est ici, on a l'impression qu'il y a des, des petites bulles d'énergie en dessous. Tu vois, l'image, elle, elle est un peu déformée. Je ne comprends pas pourquoi l'image ici et, et autour est un peu déformée, comme si justement il y avait une espèce de champ énergétique. Oui, c'est vrai. Il y a un petit talot. Et... Euh... Mmh. Et regarde, il y en a une deuxième ici. Et là, mmh. c'est pareil. Il y a encore cette... On sent là qu'il y, qu y a une espèce de champ de, de... Voilà. De vortex, on va dire, ou de champ de force, etc. Ça formerait même la lettre E, si on... <laughs> Avec un peu d'imagination. Euh... Donc, quid, est-ce que c'est un insecte Ou est-ce que celui-ci, oui, c'en est un Et puis euh, celui qui est là-haut, euh, pas, pas forcément mmh. Je ne retrouve même plus. Oui, il est tout à fait là-haut. Voilà. Alors, après, il y a toujours le contexte. Hein. C'est du garage, on sait qu'il y, qu y, qu y a des choses un peu bizarres qui se passent. Est-ce que c'est un, une espèce d'avion de, de, de très très loin que... mmh. Vous en pensez quoi, les amis Allez. Ah, Mettez-le dans les commentaires. En tout cas, voilà, ce qui est drôle, c'est que vraiment, vous auriez pu vous croiser avec Frédéric. Oui. Bah, ça aurait été marrant, c'est. Bah, tu ne t'appelles pas Jérôme ah, Puis moi, j'étais pas... <laughs> pas discret avec ma mystery machine orange. <rire> oui. <rire> Et oui, tant pis. Voilà. Il te manquait plus que Scooby-Doo et puis, et puis c'était bon. <laughs> euh, allez, tiens, bah, écoute, on va, on va continuer sur les, euh, sur, euh, sur les photos que vous nous avez envoyées. Alors, cette photo-ci, euh, c'est euh, Chacha qui, qui nous l'envoie. Euh, et puis, elle m'envoie tout un texte que je vais vous lire, euh, qui, est, qui est plutôt, plutôt bien écrit. C'est euh, une photo qu'elle a prise lors d'une balade sur un ancien site minier réhabilité en parc naturel au niveau des fosses et lieux culturels sur les anciens bâtiments. Ce lieu porte encore le nom de la mine, c'est le 9-9 bis et ça se trouve à Wanyi dans le 62. Alors elle était accompagnée de, de son fils, euh, de son compagnon et de son petit chien, c'était le 1er février 2022, donc là on a bien le contexte. Euh, ils arpentaient joyeusement les chemins de ce très joli site sur les anciennes mines de charbon qui ont été inondées et où la nature a repris ses droits. Euh, Lorsqu'au détour d'un sentier, le paysage s'éclaircit et euh, elle a un sentiment de plénitude très profond, euh, d'accueil et de contemplation qui, qui l'envahit. Elle s'arrête, elle admire euh, voilà, un, un instant le, le paysage et son petit chien qui, qui les a rejoints, Se stop net, alors qu'il est plutôt foufou, et il a l'air de regarder. Euh, dans cette direction. voilà. Et donc, ils sont un petit peu dans, dans, dans cette, on va dire, torpeur complantative jusqu'à ce qu'il y ait d'autres promeneurs qui arrivent pas très loin d'eux, qui, qui les reconnectent à la réalité. Elle prend du coup euh, une photo, juste parce que là, voilà, elle trouve la lumière jolie, etc. Et euh, elle ne voit rien de particulier lorsqu'elle est sur, sur le site sauf que le lendemain quand elle reparcourt ses, ses photos bien là elle s'aperçoit que sur cette photo là où elle s'est arrêtée et où son petit chien aussi s'est mis à l'arrêt elle voit quelque chose est-ce que tu vois quelque chose ici ah. ouais on voit un... moi je vois un beau petit lutin un, bel petit... un beau petit être de la nature sa petite frimousse là et son chapeau pointu ah oui tu vois même un chapeau pointu oui okay, oui effectivement pourquoi pas ouais tout à fait donc euh, alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement il, il semble être debout mmh. et euh, regarder euh, donc euh, vers, euh, vers le, le le photographe ou la photographe euh, ouais c'est vrai qu'il y, y a une vue d'ensemble qui où il, y a, il y a quelque chose quoi c'est et, et moi juste à côté à gauche je vois euh, comme une personne en blanc qui le tient par le, par le cou plus grand aussi euh... non non à, à, à gauche oui enfin qui le, qui a un bras autour de de son cou avec une longue robe aussi qui descend euh, au-dessus de la de ce plan d'eau là de ce petit plan d'eau moi, je le, voilà, je le, là, je le vois, mais ça va être dur, moi, sans la souris. De... Oui, euh, ça va être un peu, un peu compliqué. Comme Parce toi que moi, moi j'ai l'impression mmh. ici de voir un, un petit enfant, justement, qui est dans les caché derrière les jupes de sa mère, là euh, en train de, de nous regarder, tu vois, mmh. à ce niveau-là. Euh, là aussi, je vois une espèce de, de, de visage. Puis j'ai même aperçu, là, euh, est-ce que je retrouve le fameux renard Je vois toujours un renard sur les photos, je ne sais pas pourquoi. Voilà, le, le petit museau, les yeux en amande. Ici, on voit même l'oreille. Voilà. Et toi, à chaque fois que je te montre un renard, tu ne le vois pas de toute manière. Non, non je moi, je vois que des lapins blancs. <laughs> je vois que des lapins crétins. <laughs> bon, ouais, ouais. Donc, voilà, il y a... Y a... Il y a, a peut-être quelque chose sur, sur cette. Donc, on est bien d'accord, là, c'est le reflet de, de, de l'eau, là, c'est oui, les, feuilles, dans les etc. feuilles. Mais oui, sur mmh. le coup. Et moi, je te dis, je le vois très nettement. En plus, il a un casque à la Star Wars à côté. <laughs> mmh, mmh. Comme je n'ai pas la souris, je ne peux pas le détourer. Voilà, l'œil, tu avais le... la souris sur l'œil. Bon, bref. Alors, euh, ici Non, non, un peu ici. plus haut, là. Encore plus haut, plus haut. Voilà, là, là c'est son œil. Euh... Non, à, à, légèrement à gauche. Voilà, là, tu vois, tu as un œil là. Il ouais. n'y a pas celui à, à côté. Mais après, tu vois le dessus de la tête arrondi et puis le, le bras qui part derrière ce petit tel, là. Euh, et la longue robe qui tombe jusque dans l'eau euh, tout en bas. OK. Bon, voilà. C'est ça qui est intéressant. Parfois, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Mais ça. on, on mmh. sent qu'il y a quelque chose. Mmh. On sent qu'il y a quelque chose. OK. Donc voilà, en tout cas. Euh... Euh, merci Chacha euh, pour cette photo. Euh, ah, et puis euh, oui, elle m'avait euh, voilà. elle, elle un petit peu aidé pour me dire où est-ce qu'elle qu voyait mm -hmm. les, les choses. Alors, la suivante, euh, c'est une amie euh, qui nous suit euh, toutes les semaines. Je, je crois que je la vois passer toutes les semaines dans le chat. Euh, bonjour, Elisabeth Mazur. Merci de nous avoir envoyé cette photographie. Euh, donc, photo forcément prise face soleil, donc on sait que ça fait des, des anomalies sur, sur l'objectif, souvent ces petites tâches comme ça. Mais là, ce qui est intéressant, alors elle m'a envoyé deux, deux clichés, peut-être qu'on voit mieux sur le deuxième cliché, c'est on a, on, on a l'impression que ça forme... Alors là, on peut y voir plusieurs choses. Qu'est-ce que tu vois toi, Jérôme Une tête de Gremlins. <laughs> Une tête de Gremlins. <laughs> Sérieux, avec les grandes oreilles. <laughs> Ou Yoda, pour rester. Yoda, dans. ouais, un mélange Kremlin-Yoda. Attends, et ici, là Peut-être qu'ici, il fait un peu plus angélique, euh, effectivement, avec les petites, euh, des petites ailes déployées. C'était avant aussi. minuit. Ouais. <laughs> fallait, avant qu'on lui donne à manger. Et alors là aussi, euh, à ce niveau-là, il y a une espèce de, tu vois, de, 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 de triangle qui est, qui est, qui est assez, assez marrant. Mm. Euh, elle, elle, est, ouais, elle, est, elle est sympa, quoi, cette, cette anomalie sur, sur la photo, elle est quand même sympa. On n'est pas dans un orbe, mais on est dans un système qui, est, qui, est, qui, est, ouais, qui donne une forme. C'est on... ça. Alors je ne sais pas, Elisabeth, à quoi tu pensais à ce moment-là, si euh, ben justement cette photo t'a apporté des réponses. Euh, c'est souvent ça aussi. Hein, C'est-à-dire que vous tous, comme nous, on va regarder la photo, on va dire oui, bon, ben voilà, c'est une tête de, de Gremlins ou, ou autre. Alors que celui ou celle qui a prise la photo, ça va être euh, une synchronicité qui va lui apporter une réponse à une question qu'elle se posait ou à ouais, une demande qu'elle a, qu a émise. Donc voilà. Puis le, là, le petit effet aussi de lumière euh, ouais. est très sympa. Alors là, c'est euh, 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 Marilyn et sa fille euh, Manon qui nous ont en, envoyé ces photos. Alors, cette première photo, bon, c'est un petit clin d'œil, on a un beau, une belle tour. Euh, c'est le château de Bourbon, euh, euh, de Bourbon-l'Arcambault, dans l'Allier. Voilà. Avec bon, cet effet derrière qui est, qui, est, qui est plutôt sympa. On a l'impression que la tour va être aspirée dans, dans un vortex de, de lumière. Mais c'est surtout cette photographie-là que euh, Manon nous a envoyée. En tout cas, c'est Manon qui l'a prise. C'est la fille euh, de Marilyn qui a, qui a 14 ans. Et en regardant nos mimi, elle s'est dit j'en ah ai une moi aussi, tête de dragon. Est-ce que tu le vois ah oui, oui, une belle. J'ai l'impression qu'elle est chevauchée qu'il est chevauché, euh, par une, une femme euh, aux cheveux longs. Mm. Ouh, on voit pas, on voit, je crois les amis mis ce soir. Je <laughs> vois des trucs chose. bizarres, moi. Tu vois des trucs bizarres. Non, mais oui, une belle tête J'ai <laughs> vu trop, des grands champignons. Dé... J'ai pris trop d'énergie pendant mon périple. Oui, je crois que c'est ça. Je, 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 suis trop, je suis trop boosté, je vois plein de trucs partout. maintenant. Parce, alors, <laughs> un dragon chevauché par une femme. <laughs> Mais, bah, pourquoi pas, c'est la, la bête de l'apocalypse avec euh, la... Oui, bah, j'y ai pensé en plus quand je la, ouais. la, la grande... Euh, c'est quoi, c'est Babylone la grande, je crois. Mm. Euh, oui. Non, alors le, le dragon, on le voyait plus euh, donc, euh, ici gueule ouverte avec là euh, toute une série de, de dents ici ah oui comme ça ah oui là le, le museau là l'œil à ce niveau là ah oui donc euh, tu vois là qui ouvre la grand, ah, grand, grand, grand la gueule et puis qui a l'air fait... de même de cracher une petite volute de quelque chose et puis par le nez il a l'air de souffler euh... Ah oui ça fait même plus T-rex oui dans l'absolu ça pourrait faire T-rex ah oui moi, de, je... Je... vu comme ça oui d'accord moi, je cherche toujours ta femme chevauchante là. <laughs> non, non. Moi, je pensais que c'était le le bah, ce que tu prends euh, oui, là, pour ici, euh, oui, voilà la, la tête du dragon ouais. avec son corps en dessous. Tu mmh. vois et euh, plus foncé au dessus. Euh, moi, je vois une femme euh, visage. Des bras femme. tendus comme ça. Ouais, je sais pas. Ouais. Voilà, là, son visage là. Tu vois. Bon, bref. Ah là, je verrais. Là, je verrais peut-être plus effectivement une, euh, une femme avec les, les, les bras tendus. Euh. Bon, mais en tout cas, c'est pas ça. <laughs> c'est pas ça non plus. <laughs> voilà. Là, non, mais euh, oui, et, et la tête en général, là, ouais, on la voit bien avec l'œil, les dents. Ouais, ouais. C'est surtout les dents qui sont... Mm -mm. sont très drôles. Mm -mm. Donc, euh... Donc voilà, tu vois, ça, 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 ça intéresse aussi une partie de, de, de nos amis qui, qui, qui ont l'habitude de voir un certain nombre de, de choses, euh, soit dans les nuages, soit dans la nature. Alors c'est vrai que moi, dans les nuages, euh, c'est moins mon truc, je préfère euh, euh, les voir dans on, la nature. On a Mais il euh, mmh. y, a, y a quand même des, des messages qui peuvent mmh. être interprétés. Ah. Euh, avant de te montrer la dernière photo, moi je voulais te montrer ceci. Alors, attends, je la montre d'abord à ma caméra. Qu'est-ce que c'est, ça, Jérôme, du coup Ouais. Bon, un caillou, un caillou, <laughs> avec, avec un, <laughs> un caillou avec un trou dedans. Un caillou avec un trou dedans. c'est ça. Et une petite marque un peu bizarre euh, là ici. Euh, mm. On dirait une, une petite marque une petite marque d'écrou. Mm -mm. Bon. Allez, je vais mieux vous la montrer. J'ai pris en photo cette, ce caillou puis je vais vous expliquer comment je l'ai trouvé. Alors pendant Et... que tu cherches justement. Euh... À Blandas, euh, c'est euh, Adeline Adeline Jodoin qui, qui tenait un stand et qui m'a fait voir avant le départ un petit caillou que euh, c'est ses parents qui ont trouvé ça dans, dans, dans le champ, à côté de chez eux, dans leur propriété. Et... Euh, Très, très étrange ce petit caillou parce qu'il est vraiment tout petit. Mais lorsque tu regardes de, de près, tu, tu as l'impression qu'il euh, y a comme un circuit imprimé dessus, des tout petits symboles. J'ai fait des photos. Je, te, je vous les en voilà. Ça sera un, un partage pour le, 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 le premier mi de la prochaine saison aussi. Voilà. Et, euh... et, et bah, écoute, c'est vraiment très drôle ce que, ce que tu dis parce que bah, vous allez voir. Voilà. Je, je vous partage celui-ci et vous allez voir où je veux en venir. Donc, euh, voilà, là c'est le caillou vu euh, grandeur, euh, grandeur euh, un peu plus que nature, hein, j'ai fait un, un macro-zoom dessus. Euh, ce caillou, je l'ai trouvé devant mon entrée, donc sur mon entrée, il euh, y, ça, ça, y, a, y a un parking avec plein de, de, de cailloux, donc j'y passe devant tous les jours, et ce caillou-là, il n'y était pas jusqu'à ben, jusqu hier, je tombe dessus, et donc forcément d'abord c'est sa petite forme un peu bizarre qui m'a interpellé et quand je regarde bien l'intérieur, tu vois là je, je vois euh, ces espèces de, de, de stries mmh. je, je, et ça je me dis mais comment un caillou même creux euh, peut avoir ce genre de ce genre de stries et là tu vois là, en, en, zo en zoomant bien mmh. honnêtement on dirait une petite main. Et alors, on pourrait croire une petite main, effectivement. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas un, foss un fossile dans ce trou qui, avec le temps, est parti, et puis ça a laissé l'empreinte euh... ben, le, le... Alors, regarde, le truc, c'est que c'est quand même vachement parallèle, quoi. Mm -hmm. Tu vois, c'est parallèle, on a l'impression que c'est à la même distance, les, les, les lignes. Ouais. Ouais, euh, je on te le dirait moi, limite une, une griffe mécanique. Moi, j'ai plus l'impression que ça aurait été laissé par un fossile, Antoine, tu vois un fossile de quoi alors parce que bah, suis... voilà un animal qui s'est fossilisé dans cette roche c'est quoi comme type de roche tu as une idée non es... c'est une roche de type caillou caillou <laughs> c'est plus granitique euh, magmatique plutonique euh... ouais c'est c'est marin c'est un... okay. ouais, dur c'est silex ouais, ouais. c'est ouais. du... oui, vraiment c'est vraiment le caillou de base quoi c mm. c bon, ouais mais étrange oui en effet c'est et puis tu vois même cette petite marque là ici, euh, ouais. Euh, ouais. On, on dirait à... une marque, marque d'écrou, tu vois. Ça ouais. euh... fais penser à un satellite de, c'est Phobos, je crois. Oui, mm. exact, aussi. oui. Mm. Voilà. Bon, bah, je te pas... partagerai moi ce, ce petit caillou que, que m'a fait voir Adeline. Ouais. Et puis là on dirait, regarde un visage, tiens, là je viens de le voir, on dirait le visage du Petit Prince. Mm. Bon. Ah oui, avec. Euh, oui. Raconte-moi un caillou. Raconte-moi. <laughs> <laughs> bon, voilà, vous en pensez quoi, les amis Bon, c'est quand même bizarre cette histoire Mais même si. Euh... Ouais, quoi, je, moi, je ne vois pas ce que c'est à l'intérieur. C'est étrange. Et puis, surtout, le truc, j'y je, je, je passe devant tous les jours. Quoi. Alors, moi, je lance un petit message à Adeline, parce que je sais qu'elle regarde les, les mimi. Si elle regarde ce mimi, euh, si elle peut m'envoyer des photos un petit peu plus nettes, parce que j'ai fait les photos avec mon téléphone. Mais lorsqu'on zoome, on, on distingue. Euh, c'est un petit peu flou les, tous ces mini symboles donc si elle pouvait nous envoyer des photos de ce ouais. petit caillou bien plus net comme ça je vous les partagerais à la rentrée. Voilà ben bah écoute du coup ton périple lui il s'est pas arrêté euh, il s'est pas arrêté à Rennes le Château. Ben non après Rennes le Château euh, j'ai commencé à remonter hein, quand même il faut un moment faut remonter donc je suis allé dans le, dans le Lot chez euh, deux, deux personnes que vous, voilà pour ceux qui sont abonnés euh, sur Horus. Euh, euh, connaissent, c'est Christophe euh, Soyer et Violette Valorcy. Donc, ils m'ont euh, gentiment aussi accueilli chez eux euh, à Cajar. C'est Cajar, c'est la ville de, de Coluche, où il y avait ce fameux ce fameux sketch euh, pour trouver le chimie voilà. et Et euh, bah, j'en ai profité pour faire des vidéos, bien sûr. Donc, euh, Christophe et Violette, ils m'ont fait visiter euh, des lieux euh, très sympathiques, notamment le château de Sennevières, euh, dans lequel on, il y a un cabinet alchimique. Et en plus, bah tu vois, euh, parmi toutes les synchronicités qui me sont arrivées pendant ce périple, bah, lorsqu'on est arrivé au château, il y avait le propriétaire qui était dans, dans la cour et Christophe euh, le connaissait un petit peu, connaissait son papa qui est décédé il y a quelques temps. et Ils ont commencé à discuter et puis euh, je me suis présenté avec ma petite caméra et hop, il nous a emmené dans son château et nous a fait une petite euh, visite privée, euh, voilà en plus gratuite. Donc euh, merci à ce monsieur. Et euh, bah, on a justement filmé euh, beaucoup de parties de ce château, et notamment ce fameux cabinet alchimique. Donc la, la vidéo euh, sera au montage dans quelques temps. Et ensuite, il m'en en emmené emmener voir aussi les, les ruines euh, très étranges d'une abbaye euh, autour de laquelle il y a, il y a une légende de, de sœurs qui n'étaient pas très catholiques. Mais j'expliquerai ça euh, dans la vidéo. Vous verrez, euh, très étrange aussi, avec un, un énorme gouffre euh, au pied de, de ces ruines. Et euh, bah, le deuxième jour, euh, figure-toi que j'ai retrouvé Pascal Cazotte, voilà, que j'ai pu enfin rencontrer pour de vrai. Pour de, pour de vrai, ouais. bah, oui. oui, notre ami Pascal. Qui, alors, Pascal, d'ailleurs, qui a fait une, une émission sur euh, le, le château alchimique de Seine-Vierre. De, de, de mmh. ouais, ouais Vous pouvez le retrouver dans les, mes causeries avec Pascal Cazotte, je vous mettrai le lien sous, sous la vidéo. Mmh. Et, et, euh... et là, Pascal, t'as, il t'a sorti le grand jeu. Quoi. Je savais même pas qu'il savait faire ça. Oui, il m'a sorti, sorti le grand jeu. Mm -hmm. oui, on a été visiter des dolmens et on était accompagné aussi d'Eric Charpentier et de sa femme Sandrine, que que, que j'ai rencontré après à connaître aussi des gens fort sympathiques. Et puis bah oui, Pascal nous a voilà donné beaucoup d'explications sur ces dolmens. On a fait aussi une petite expérience avec un pendule. Et là, pour le coup, ça. Ça a fonctionné du, du tonnerre. C'est ça, euh, du tonnerre. Ouais, je ne savais pas du tout qui qu manipulait le, le, le produit. Voilà, pour, pour tester un petit peu le, les énergies cosmiques et telluriques sur un, sur un dolmen, pour voir un petit peu à quelle fréquence on est. Et impressionnant, parce que ça, ça fonctionnait tout de suite. Et puis, bah, euh, Christophe nous a, lui, accompagné de son côté avec des instruments. Alors, je ne me rappelle plus le. Le type et le nom de ses instruments, mais il a fait pas mal de comment d'analyse de, et re, recueilli des données. Alors voilà, lorsque je montrerai cette vidéo, je mettrai aussi les résultats de ce qu'il a pu euh, capter avec ses instruments sur, sur un des dolmens euh, que nous avons été voir. D'accord. Et tu avais pas de flûte malheureusement. J'avais pas de flûte, non. Bah, tu aurais pu faire aussi la, la, la flûte automatique euh, comme mmh. le, euh, comme Mathieu. Comme Mathieu, mais non. Bah, ça il le tester ça quand même ce, mmh. ce principe de flûte automatique. Bon voilà, à, à avoir un, un, un autre mimi aussi euh, voilà. sur le sujet. Et puis Pascal nous emmenait aussi voir deux, deux croix templières très étranges, qui sont pareil paumées en pleine de, euh, En pleine pampa, comme on dit. Et euh, voilà, j'ai fait aussi des vidéos de ces croix, vous verrez, euh, assez insolites aussi. Voilà, et puis bah, j'ai fini mon petit périple par chat. Euh, Fabienne m'a aussi retrouvé là-bas et on a été. Euh, Guidée euh, par la gentille Nathalie Grégoire que je remercie parce qu'elle a voilà elle a pris connaissance de mon petit périple elle m'a contacté par messenger et puis bah voilà on s'est retrouvé le, le dernier jour de, de mes vacances le vendredi euh, à Chartres et elle connaît très très bien le, la cathédrale. C'est comme elle le dit, c'est ma cathédrale. Et elle nous a fait euh, voilà une visite euh, énergétique de la cathédrale. Ce qu'il faut savoir, j'avais déjà vu une vidéo il y a pas mal de temps de ça de Patrick hein qui expliquait qu'il y avait un, un parcours alchimique mais aussi énergétique dans cette cathédrale. Et, et donc euh, Nathalie nous a nous a fait euh, voilà le, le petit parcours. Euh, où on était sur cette fameuse pierre de décharge qui est bien cachée hein, à côté d'une entrée de, de la cathédrale pour se, vraiment se vider énergétiquement. Et on sent, hein, lorsqu'on touche cette pierre à ce lieu bien précis, on a l'impression que des... ça nous tombe dans les jambes, quoi. On se décharge, on mise à la terre. Et puis ensuite, on a fait un, le tour de la cathédrale dans les sens anti-horaires, parce que les touristes, ils le font tous dans l'autre sens. Et puis ensuite, bah, on a fait le, le fameux labyrinthe, hein, pieds nus. En plus, on a, voilà. A... C'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est qu'ils veulent pas. Mais voilà, si vous allez visiter Chartres, alors petit conseil, en plus, moi, coup de chance, j'y étais un vendredi et c'est le seul jour de la semaine, apparemment, où ils poussent toutes les chaises pour les touristes, pour que ceux-ci euh, puissent faire le, le parcours. Alors, bon, tout le monde le fait, euh, plus ou moins en s'amusant. Ça prend un certain temps, hein. Pour, faut un bon quart d'heure, je crois, pour faire le parcours. Et puis, bah, nous, on l'a fait pieds nus, parce qu'il faut le faire pieds nus. Hein. Voilà. Et, euh, et une fois ce parcours terminé, eh bien là, on va sur... Euh, le lieu où on va se réaligner. Voilà. Je ne vous en dis pas plus, tout est expliqué dans la vidéo. Voilà, ouais, je... vidéo, donc on verra sur ta chaîne mmh. d'ici euh, la rentrée. Euh, ou à la rentrée, quoi. Quand tu quand auras eu le temps de. Voilà. Quand j'aurai le temps, parce que je tiens à signaler que c'est la toute dernière vidéo que je fais dans, dans ce studio. Voilà. Qu'on se retrouvera à la rentrée. J'aurai déménagé. Et nouveau studio, nouveau décor. Voilà. Ouais. Eh ben, euh, écoute, je pense qu'en tout cas, ça, ça conclut bien notre, euh, notre deuxième saison de Mimi. Euh, parce qu'il faut quand même dire qu'on en est à 90 numéros, Jérôme. 70, hein. Et j'avais signé un CDD d'un an, moi, à la base. Tu, 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 tu m'as eu. Hein. <laughs> C'est pour rien. <laughs> non, non, et puis des, désolé. C'est bien qu'on a des, des voilà. amis. Donc, euh, voilà, voilà. puis, désolé hein, hein, hein. pour le, le fait de n'avoir pas fait... Euh... Aussi régulièrement que ça, ces dernières semaines, les, les mimi avec vous. Mais bon, voilà, comme vous l'avez compris, je déménage. Donc, beaucoup de choses à, à faire. Voilà. Plus les vacances. Hein, voilà. Bon. On peut pas tout faire. C'est ça. En tout cas, ça nous a permis de retrouver plein de gens. On a passé une très, très bonne émission avec Stéphane ouais. Royer la semaine dernière. Euh, avec, avec Damien avec, aussi. Deux semaines, Damien. Mmh. Euh, voilà, et puis, euh, puis euh, Florinette aussi qui est, qui est venue, et puis j'en oublie, je sens que j'en oublie, vous allez m'en vouloir. <laughs> bon. Et UCJ c un... aussi, euh, voilà. Voilà, on a, on a vraiment passé de très très bonnes, très, très bonnes émissions, euh, on, on, a eu, on a eu du soutien. Bon, mais voilà, ainsi se termine notre 45e Mimi de la deuxième saison. C'est un Mimi un petit peu particulier, voilà. Euh, c'est clair qu'on avait envie de voilà de pas aujourd'hui d'être d'être tranquille à l'aise et puis euh, comme ça, ça ça vous permet aussi de, de, de découvrir un petit peu euh, nos, nos univers bon là particulièrement l'univers de, de Jérôme du coup euh, et puis eh bien, on se retrouve à la rentrée pour une troisième saison donc re signe pour une troisième saison allez je resigne <laughs> c'est reparti c'est reparti <laughs> en plus on sera quasiment voisins en toi donc on... voilà, voilà. Il y aura peut-être okay. peut des changements de, 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 mmh. effectivement de décor. De, on de va tirer un seul câble seul. entre chez toi et chez moi, on aura <laughs> peut-être une meilleure connexion. <laughs> Exactement. Et puis ben voilà, les amis Mis, profitez de, de, de cet été pour vous aussi vous recharger énergétiquement, parce que je pense que on est bien tous crevés, bien contents d'être en vacances. Euh, et puis voilà, on va se retrouver à la rentrée euh, pour plein de nouvelles choses. Voilà, J'ai plein d'autres projets aussi euh, d'émissions que, que je vous présenterai sûrement à la rentrée. Euh, et puis voilà, profitez, profitez, vivez et soyez heureux. Exactement. Mmh. C'est beau ça. Ça. Sortez couverts, mettez de la crème solaire, ça t'empêche. <laughs> Allez, Jérôme, merci. A très bientôt. Antoine, euh, bonnes vacances. Merci. Et puis euh, vous aussi, à, à l'année prochaine, à la saison prochaine, pour une troisième saison. On repartira à sa Mimi numéro 1, saison 3. Voilà. A la prochaine saison tout le monde. ciao. Ciao, ciao. ciao. Non, alors, c'est peut-être, c'était pas 2001 l'Odyssée d'espace quand il y avait les. C'est ça, c'est l'Odyssée de l'espace. Mais ça, c'est qui a fait ce. C'était fait pour l'Odyssée d'espace en plus, je crois ça, non Je vais pas m'avancer. <laughs> On va dire <dirait une> des bêtises. <laughs>